As the Republic of the Congo assumes the co-chairmanship of the Forum on China-Africa Cooperation, President Sassou says, "Nous allons apporter le meilleur pour que programme prévu pour le FOCAC au cours de ces trois prochaines années connaisse un succès." Expressing confidence in the 10 partnership initiatives for modernization for China and Africa, he declares, "Je pense qu'elles le seront et donneraient quand même à cette relation Chine-Afrique une dimension nouvelle." On hopes for further digital cooperation with China, he remarks, "C'est l'innovation technologique est très attendue dans notre pays et en Afrique." President Denis Sassou Nguesso of the Republic of the Congo sat down for an exclusive interview on Leaders Talk. Hello and welcome to Leaders Talk, where we meet leaders, thinkers, and trailblazers. I'm He Yanke. Today we're speaking with one of the African heads of state who has visited China the most, President Denis Sassou Nguesso of Republic of the Congo. At the China-Africa Cooperation Forum held in Beijing this September, his country assumed the role of co-chair for the African side. What significance does this summit hold in President Sassou's eyes? How will the Global South, represented by China and Africa, shape the world? Over the next 3 years, how will Republic of the Congo work to implement the outcomes of the summit? Let's explore these answers in the conversation. In the golden autumn of 2024, Beijing hosted yet another historic moment in China-African relations. Leaders from all 53 African countries with diplomatic ties to China, the chairperson of the African Union Commission, the UN Secretary General, and representatives from over 30 international and African regional organizations gathered at the FOCAC summit. During the summit, China and Africa reached a clear political consensus on strengthening comprehensive cooperation under the theme of joining hands to advance modernization and build a high-level China-Africa community with a shared future. Two crucial documents, the Beijing Declaration and the Action Plan, were adopted, marking the summit's success. Sassou总统您好，非常感谢您再次做客高端访谈。上一次。 我跟您对话呢是在刚果部首都布拉柴维尔，这一次是在北京，欢迎您来到北京。在峰会的开幕式上，习近平主席发表了主旨讲话。那在讲话结束的时候呢，现场3200多民中非各界人士是起立，也是响起了热烈的掌声。您当时在现场的感受如何？ Je pensais que le président Xi Jinping avait prononcé un discours très important puisqu'il a indiqué à travers ce discours, la voie que nous devions suivre ensemble dans le cadre du forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. En 10 points, il a montré le chemin et indiqué les axes principaux de l'action que nous devrions menés ensemble au cours de ces 3 prochaines années. C'est un discours très important, on pourrait même dire historique, dans le cadre des relations entre la Chine et l'Afrique. Tout le public ne s'était pas levé pour rien. Il n'y avait aucun signal. Les gens se sont levés spontanément, oui, pour saluer ce discours important. 的确啊，我们看到在开幕式的主席讲话中呢，习近平主席也是宣布将实施中非携手推进现代化10大伙伴行动。您在开幕式的致辞中呢，也对这个行动表示欢迎。那您是如何理解这10大伙伴行动的 ？Bon, nous comprenons ces 10 actions comme un ensemble de mesures et même de démarches que nous devions engager au cours de ces 3 prochaines années pour placer surtout l'Afrique, qui est visiblement en retard dans la direction du développement, parce que ce discours a abordé
tous les aspects de la relation. Ce n'était pas seulement les aspects économiques ou financiers, c'était aussi les problèmes sociaux, les problèmes culturels et les problèmes des relations entre les peuples, les problèmes d'innovation, de technologie. L'ensemble des problèmes abordés montrait que si ces 10 mesures étaient mises en œuvre, je pense qu'elles le seront, et donneraient quand même à cette relation Chine-Afrique une dimension nouvelle, et ce sera peut-être un message. La Chine et l'Afrique pourraient passer au reste du monde pour dire comment pourraient être les relations entre les États et les peuples, que ce soit des relations gagnant-gagnant. 习近平主席在讲话中特别提到，现代化道路上一个都不能少，一个都不能掉队。所以您对非洲现代化的愿景和未来的发展有什么样的期待？ D'abord, dans ce message, le président Xi Jinping a dit que tous les pays qui entretiennent des relations diplomatiques normales, les pays d'Afrique, grands ou petits, tous ces pays étaient érigé au niveau de la relation de partenariat stratégique global. Nous pensons que c'est une façon de tirer vers le haut, même les plus faibles, de tendre la main et faire que, ensemble, nous allions de l'avant et qu'il n'y en ait pas qui reste en arrière. Je crois que c'est un moment d'ensemble très important et un signal qui sera donné à ce que nous appelons aujourd'hui le Sud global. C'est déjà l'Afrique et la Chine qui vont donner le ton. 说到现代化，您认为西方的现代化进程与以中国和非洲为代表的发展中国家的现代化进程有什么样本质的区别？ Bon, la modernisation de l'Occident, je ne voudrais pas en parler. Parce que c'est produite dans un contexte historique différent. Cette modernisation, on peut le dire, s'est produite, on dirait, à travers le sang et la sueur des autres peuples, hein, dans un contexte historique de domination et d'exploitation. Nous qui sommes arrivés ici en Chine pour la première fois, en 1964, nous sommes en 2024, et on voit les progrès extraordinaires réalisés par le peuple chinois sous la direction du Parti communiste chinois, mais des progrès extraordinaires. Un autre peuple, mais à travers son dynamisme propre et des rapports de coopération avec les autres peuples du monde, la Chine a réussi ce développement spectaculaire, cette modernisation. Je crois que c'est un modèle tout à fait nouveau du développement et de la modernisation. 那我们也看到您在开幕式的致辞上面也提到，对于中部非洲来说，中国是全天候的朋友。在您的心目中， 全天候的朋友是一种什么样的朋友关系？ Parce que l'histoire montre que la Chine n'a pas occupé, n'a pas dominé, n'a pas exploité les peuples africains. Et pourtant, il y a des vieux contacts entre la Chine et l'Afrique, la route de la soie. Nous parlons avec le président Xi Jinping du projet de la ceinture et la route aujourd'hui. Nous disons oui, et que la Chine est l'ami de l'Afrique de tous les temps. En ce qui concerne le Congo, nous parlons de 60 ans de relations d'amitié, de coopération directe depuis 1964.
cette amitié s'est renforcée au fil des jours et se renforcera encore à travers les décisions que nous prenons aujourd'hui. Voilà que nous disons oui, et c'est l'amitié et l'ami de l'Afrique de tous les temps. 利用这样一次北京峰会的契机，您和非洲其他国家领导人有什么样的交流？有没有什么热议的话题？ Je crois qu'on était près d'une cinquantaine de chefs d'État africains. Nous nous sommes retrouvés dans les salons ici du Palais du Peuple. Nous avons naturellement échangé et conclu qu'il était nécessaire que, ensemble, nous renforcions cette coopération avec la Chine. Ce n'est pas une clause de style, mais parce que aussi en Afrique, dans tous les pays, il y a les marques concrètes de cette coopération avec la Chine, avec des projets concrets qui ont été réalisés. Nous discutons, oui, entre nous. Nous ne sommes pas venus ici en Chine comme pour passer des moments de vacances, mais au contraire, nous sommes venus pour travailler avec des amis parce que nous savons que les décisions que nous allions prendre produiraient des effets concrets dans le développement de nos pays comme par le passé. 我们也特别高兴地看到刚果部成功接任中非合作论坛的共同主席国。那下一步刚果部将会如何去共担使命，来推进新时代全天候中非命运共同体的构建？ Bon, nous avons d'abord remercié les dirigeants africains, le président Xi Jinping, pour la confiance qui a été faite à notre pays, puisque tous ont accepté par consensus que le Congo devrait co-présider le FOCAC au cours des trois prochaines années. Et pour nous, c'est un honneur et une responsabilité aussi. Nous pensons que nous allons assumer cette responsabilité avec sérieux. On September 6, Chinese President Xi Jinping met with 9 African leaders at the Great Hall of the People, with President Sassou being the first African head of state received that day. During their meeting, President Xi congratulated Congo on assuming the co-chairmanship of FOCAC and praised President Sassou's contributions to the success of the Beijing summit. After their discussions, the two leaders witnessed the signing of multiple bilateral cooperation agreements in areas such as the Belt and Road Initiative, the digital economy, and media cooperation. Nous avons dit que nous célébrions cette année-là le 60e anniversaire des relations entre le Congo et la Chine, et à titre personnel, j'ai pu dire au président Xi Jinping que, en 1964, en septembre, humblement, nous faisions partie de la première délégation de 6 Congolais qui s'était rendue en Chine. Et nous revenons en Chine en septembre 2024, 60 ans après, nous avons salué, disons, le développement extraordinaire. Nous pouvons témoigner. La relation entre la Chine et le Congo a connu un bond en avant spectaculaire, des résultats concrets que le peuple congolais connaît et salue. Et nous avons donné la perspective, oui, relation que nous devrions entretenir à l'avenir avec beaucoup d'optimisme. 上一次在刚果部采访您之后呢，我们是实地探访了刚果部国家一号公路，深切感受到了这条公路给沿线居民带来的发展契机。正如您在采访中所说的，这条路的建成啊，是给这国家带来一次真正的变革。 而且在上一次的采访播出之后呢，我们收到很多网友的反馈。有的网友就留言说：“中钢有意长存，推进基础设施建设，沿着经贸来拓宽视野。”
对接现代化产业体系规划，造福人民，包括也有人向您问好。所以我们特别想问问，像刚果部国家一号公路这样的工程，什么时候我们能看到另外一个类似的工程在刚果部落地？Oui, sans aucun doute, je suis heureux de constater que vous avez pu visiter ce grand projet de la route lourde. Et c'était la route de tous les défis. Et sous la colonisation, nous n'avons pas pu construire cette route. Nous pouvons dire que nous sommes très heureux d'avoir réaliser cette route dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Congo que nous avons prise dans le cadre du projet La Ceinture et la Route. 目前呢，石油依然是刚果部的支柱产业，但是您曾经说过这样一句话，您说我们必须把石油忘掉。在您的领导之下，刚果部是制定了2022到2026年的国家发展规划，其中呢也列举出来了接下来一段时间要重点发展的产业，你能不能请您在这儿给我们展望一下，在规划中我们可以看到刚果部未来发展的一个什么样的蓝图？ Nous voulons dire que le Congo ne peut pas être tout pétrole. Et nous disons que le Congo a un potentiel énorme. 10 millions d'hectares de terres arables. Moins de 10% seulement sont exploités.C'est un capital immense dans un pays qui a de l'eau partout, qui a du soleil toute l'année. Et voilà pourquoi nous avons donné, dans le cadre du plan 2022-2026, une place importante au secteur de l'agriculture au sens large. L'agriculture, c'est aussi, nous voulons y placer la pisciculture,la pêche, etc. Si j'ai évoqué cette situation avec le président Xi Jinping, voir comment ce pays qui a des terres, qui a du soleil, qui a l'eau, comment on peut faire que l'agriculture au Congo ne dépende que de la pluie. Elle ne vient pas.Les changements climatiques font que quand on attend la pluie, elle n'est pas là, et que l'agriculture congolaise ne dépende pas que de l'eau qui vient du ciel, alors qu'il y a de l'eau partout. Il y a donc un projet important de développement agricole à travers l'irrigation des bassins de production. 很多产业，下一步如何更好地和共建“一带一路”倡议来进行对接？Tous les projets, la ceinture et la route, si les projets d'infrastructure qui intègrent ce programme se réalisent, viendraient renforcer la ZLECAF. Parce qu'au niveau africain, nous avons décidé la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc,il y aura le libre commerce à travers l'Afrique sans entrave d'un pays à l'autre et dans les rapports avec les autres pays du monde. Et nous croyons fortement. La ZLECAF elle ne pourrait être mise en œuvre que si les infrastructures de transport, de télécommunications, d'électricité, l'Afrique.2022年的时候，我们看到刚果部的首个人工智能研究中心揭牌成立啊。我们知道您非常的看重数字技术、数字经济在未来的影响。其实中国企业呢，在这方面是拥有比较丰富的技术和经验。您觉得数字技术将会如何成为中钢之间合作的一个新的契机 ？C'est l'innovation technologique est très attendue.Dans notre pays et en Afrique, la jeunesse africaine est déjà mobilisée et travaille dans tous les pays sur ce thème, les startups et autres. C'est un progrès qui sera considérable pour le développement de l'Afrique et très attendu.Et par la jeunesse africaine.
protesters. Were you worried about your life at that particular time? Not at all. Excellency, thank you very much for your time. What is your assessment of the state of the continent today? Africa has the potential to power itself. Excuse me. During his visit to China, President Sassou visited the Great Wall and toured the Forbidden City, experiencing Chinese culture and its charm. 60 years after his first visit to the Great Wall, he praised it as a treasure of human civilization. During his visit to the northeastern province of Liaoning, he received a special gift, a 1964 Chinese newspaper featuring the Congolese delegation's visit to the provincial capital city of Shenyang, of which he was a member. He also toured Shanghai, witnessing China's cutting-edge innovations. 上一次采访您的时候，您跟我们讲述了1964年第一次来中国时候的经历，那个经历是非常的波折哈。现在好多了。我很好奇的是，在百忙之中，为什么这一次您来中国会去选择参观长城和故宫 ？Pour moi, c'est comme un pèlerinage. Ce sont deux endroits emblématiques, la Chine. Que j'ai visité en 1964, 60 ans après. Mais entre-temps, nous avons fait 16 déplacements en Chine. Et c'est la 17e fois. Et nous avons décidé de visiter un certain nombre de lieux que nous avons connus en 1964 et qui ne sont plus les mêmes en 2024. Mais avant-hier, quand je me suis rendu à la Grande Muraille de Chine, je n'ai plus reconnu ni l'itinéraire, ni même les environs de la Grande Muraille de Chine, parce que toutes les autoroutes que j'ai vues avant-hier n'existaient pas. Il y avait seulement une route qui menait, une seule route, qui menait à la Grande Muraille de Chine en 1964. Et j'ai traversé plusieurs autoroutes. Xi Jinping 主席高度重视中非关系。 2013年, 习主席出任中国国家主席之后，首次出访就选择的是非洲，而且当时呢也是到访了刚果部，您进行了热情的接待。在访问结束之后呢，习主席还说：“我相信中非友谊将像长江和刚果河一样长流不息，奔腾向前。” C'est avec grand honneur que nous avons reçu le président Xi Jinping qui faisait en réalité sa première sortie internationale après son élection. À notre pays, à notre peuple, l'honneur d'une visite à Brazzaville. Cette visite est restée mémorable. 上一次去刚果部，我们还真的是去中央友好医院看了看，我们能够深刻感受到当地的患者对于中国医生的一种信任。医院针对刚果部，阳光比较强烈，眼科疾病高发的这样一个情况啊，还特别设置了中钢眼科中心来帮助当地很多的患者重获光明。您是不是也认为这也是人类命共同体的一个具体体现 ？J'ai entendu dire que l'hôpital que nous avions inauguré. L'un des arrondissements de Brazzaville, le président Xi Jinping et moi-même, j'ai entendu dire qu'il y a des projets de développement, d'agrandissement de cet hôpital et peut-être d'introduction de techniques plus modernes au niveau de cet hôpital. Mais les Congolais font totalement confiance. Au génie chinois dans ce domaine de la santé, parce que ce n'est pas seulement à Brazzaville, mais à l'intérieur du pays, on rencontre les médecins chinois qui soignent les Congolais et établissent une relation harmonieuse avec eux.
刚果部的恩古瓦比孔子学院啊，是从2013年开始运营的，有很多的刚果部年轻人在那儿学习中文。如果加上中学和小学里面开设的中文课，在同一个时间，刚果部有将近10000多人在学习中文。不知道您是不是也感受到了这样的一种汉语热 ？Ah oui, bien sûr. L'on observe que les jeunes Congolais s'enthousiasment dans l'apprentissage du chinois. La langue chinoise sera incontournable aussi dans la vie internationale. Donc c'est une bonne chose que les jeunes Congolais s'intéressent à la langue chinoise. 上一次啊，采访的时候，您向我隆重推荐了一下刚果伦巴。这是一个当地的传统舞蹈，非常具有文化底蕴。在采访完之后呢，我还真的是在布拉柴瓦尔找到了一位伦巴的老师，教我跳了一下舞。我给您看一下当时我学舞蹈的这个视频。C'est vous qui dansez là？ 是我，是我。我穿着当地的民族服装，然后在和当地的老师学习跳舞。不得不说，刚果伦巴有点难学，但是你觉得我跳的怎么样 ？Magnifique！ 谢谢谢谢。Vous aimez la rumba？ 非常喜欢。所以你看，我就是一个很好的例子。我是一个中国人，但是被刚果伦巴圈粉了。Mais je vois que vous êtes sur la bonne voie là. Vous dansez mieux que moi。这是一个刚果的文化体现。另外，我们也看到，今天在习近平主席和您的见证之下，中央广播电视总台和刚果共和国国家电视台签署了合作备忘录。您觉得这样的一个合作将会为中央两国未来人文交流以及各方面关系的提升贡献什么样的媒体力量？是 la connaissance mutuelle, l'échange, les valeurs. Les Chinois vont apprendre à connaître profondément les Congolais. Les Congolais vont apprendre à connaître les Chinois et vont vivre ensemble et vont échanger des valeurs culturelles. Ils vont danser la rumba ici en Chine. Au Congo, comme d'autres danses chinoises seront pratiquées au Congo et en Afrique.Ce monde que nous appelons de tous nos voeux. 非常非常感谢您接受我们今天的专访，也祝您在中国的旅程一切顺利，收获满满。谢谢。Merci. Having visited China 17 times over 60 years, President Sassou remarked on witnessing China's rapid development. On the elevation of China-Africa relations, he expressed confidence that this will help African nations advance together.Thank you for watching this edition of Leaders Talk. I'm He Yanke. See you next time.